Salut tout le monde, salut tout le monde, c'est Amogad d'Atema Games, bienvenue dans le 8e épisode d'Assassin's Creed Origin. Et aujourd'hui, comme promis, on va continuer la quête annexe, mais qui est quand même assez principale en soi. Merci, hop, et donc on va y aller directement, c'est parti. Voilà pas moi. Il pue la bière. Ouais. Oh, merci. Ça fait des heures que j'essayais de le chasser. Voilà, 200. Se fout de ma gueule. Je sais pas si je peux monter dessus avec lui. Ah, des barres. Mais non. Ah non, mais par contre, c'est pas tu fais pas. Mais... Ah, c'est génial, putain. C'est mon premier passager en tant que dromadaire. Enfin, en tant que... Enfin non, mon premier passager sur mon dromadaire, c'est tout. Oh putain, les coups de tête qu'il met. Coup de tête. Boum, allez, dégagez. Dégage. Le mec, il rentre dans le temple. Hein. On va te battre les couilles. C'est pas... On va te balek. Balek. Tu passes ou pas, là? Oh! Allez! Putain, ta mère, ils ont pas fait le dromadaire. Mais ta gueule avec ta mitraille. Bon, ils ont pas fait passer le... Tant pis. On va continuer à pied. Une belle... J'avoue, belle comparaison. C'est bien. C'est bien. Je suis productif, c'est pas. Ouais, je vois ça, ouais. Très très productif. Et donc, ça y est, la mène, on peut le foutre dans le puits. Ce serait bien, ça, non? On peut pas le foutre dans le puits. Ah, non, il veut pas. Putain, il est pas le joueur. Ah oui, j'ai réussi. Comme ça. C'est même plus que tout à l'heure. Putain, hier j'ai réussi. Allez, on va faire un petit détour. Ah non, attendez. Je crois mal, c'est pas grave. Ah putain, c'est génial. J'ai réussi à le tège. Il était bourré lui aussi, non? Ah, mais c'est lui qui parle, c'est le mec sur le dos. Ah, je n'ai pas compris. Bon, alors. Bon, non. Sans rire. Et on est dans les conneries cette fois. Et au moins, je crois que c'est réaliste. Parce que, tu vois, il y aurait un jeu qu'on aurait foutu comme ça. On n'a pas pu le foutre dans le puits, il serait resté dans le vide, tu vois. C'est plutôt bien. Menehet, c'est pas mou. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est sous. Il adore voir à la santé de Sekhmet. Trop, visiblement. C'est une catastrophe! Les gens sont venus des terres rouges et noires pour le voir combattre. S'il ne s'agit que de se battre, je peux le remplacer. Ouais, comme d'hab. Tu nous sauves, Medjay. Tu attires les honneurs sur toi en m'épargnant la honte. Va parler au grand prêtre dans la cour du temple. C'est lui qui préside la cérémonie. Tu fais pas cette tête de tueur, ça va. Mais je fais pas une tête de tueur, je suis une tête déprimée, là. Putain, le mec. Non, mais ça me tue, ça. C'est... Non, mais ton héros n'est pas là, je peux le remplacer. Mais même, c'est pas une compensation. Désolé. Moi, je suis là pour faire les vraies missions, tu vois. Grand prêtre, je vais combattre au nom de Sekhmet. Tu n'es pas Pamou. C'est lui que j'attendais. Pamou est souffrant. Il se repose au temple. Bien, suis-moi. Quand il est stylé avec sa tête de jaguar, le grand prêtre. Non, je sais pas. Est-ce que toi? Tu sais que quand tu tournes la tête, quand tu t'es en particulier. C'est à cause de toi que je fais tout ça, je te signale. Oh! On dirait Féline dans la tête de Tigre. Ce n'est pas un véritable combat, mais tu dois rester vigilant. C'est une tête de lion. Je saurais rendre hommage à ces. Nous vous remercions de votre présence pour cette nuit sacrée. Ouais, on dirait Gladiator, j'aurais dit. Nous vous invitons à être témoin de la splendeur de notre witness. Be witness. Witness. Si vos cœurs se laissent gagner par la méchanceté, Isfet le maléfique aura raison de la déesse. Condamnera Imu à 100 saisons de sinistres ténèbres.
T'as pas intérêt à perdre. Bah, regarde-le avec sa... avec son casque si de licorne. Mon cœur reste pur, la déesse nous sera favorable. Et nous protégera de l'obscurité du chaos. Le chaos, t'as un mec qui s'en va tout seul. Quoi. Que le combat commence. Depuis les temps immémoriaux, Sekhmet, la gamme, nous protège de l'habilité d'Isfret. J'ai parié sur Sekhmet, hein, jadis, c'était les champions de guerre. Ça, je joue avec lui, la France. Altérant la balance du jugement, il s'est engraissé des âmes des mortels. Mat, la chassée du lieu du jugement. Tu vois, dès que j'arrête de jouer avec lui, c'est bon, c'est fini. Il vaut plus rien. Il vaut plus rien. Boum. Et à monter la garde à la porte. Tac. On va lequel est Sekhmet et lequel est Sekhmet fin nuit, jusqu'à ce que Sekhmet soumette. Non, en fait, ce dont j'ai peur, c'est que, comme vous pouvez le voir sur sa vie, il y a deux phases. Oh là, oh là, tu te calmes. Je te calme. Le guerrier de Sekhmet repousse le chaos. Ouais, je sais, mais j'ai envie de l'utiliser pour la fin. Regardez, son arme brille du feu de Sekhmet. Son arme brille du feu de Sekhmet. D'où mon arme, elle brille. Le guerrier de Sekhmet repousse le chaos. Les crocs de la lionne vont déchiqueter les ténèbres. Tu dois gagner. Que la puissance de Sekhmet anime. Faut pas dire que c'est moi. Ah mais... Regardez, esquive. Son arme brille du feu de Sekhmet. Putain. Le guerrier de Sekhmet repousse le chaos. Oh putain. Regardez, oh putain. Son arme brille du feu de Sekhmet. Régène. Les crocs de la lionne vont déchiqueter les ténèbres. Oh putain, je suis un dingue. Que la puissance de Sekhmet anime ton bras. Putain. Allez. Putain, je vais mourir. Putain, je suis mort. Oh là là. Il m'a battu. Oh la déchéance, quoi. Le guerrier de Sekhmet repousse le chaos. Reste-toi. Allez, vas-y. Sekhmet réchauffe le cœur. Laisse-moi me battre à ta place, tu peux m'aider. Les crocs de la lionne vont déchiqueter les ténèbres. Non, en fait, je m'attendais pas à ce qu'il... Non, mais je pensais surtout qu'il... Putain, mais... En fait, j'arrive pas à voir quand il enchaîne un deuxième coup ou s'il fait juste un coup, en fait. Du coup, à chaque fois, je crois qu'il fait un coup alors qu'il en fait deux. Là, tu vois, hop, et là, en fait, ouais, c'est ça, en fait. C'est le deuxième que j'arrive pas à voir, en fait, quand il va... Repousse le chaos. Que la puissance de Sekhmet anime ton bras. Les crocs de la lionne vont déchiqueter les ténèbres. Regardez, son arme brille du feu de Sekhmet. Le guerrier de Sekhmet repousse le chaos. Que la puissance de Sekhmet anime ton bras. Enchaînement, enchaînement. Les crocs de la lionne vont déchiqueter les ténèbres. Le guerrier de Sekhmet repousse le chaos. Vas-y, enchaîne-le. Dans les cordes, vas-y. Son arme brille du feu de Sekhmet. Pars-tu là sur une corde, putain. Que la puissance de Sekhmet anime ton bras. Que Sekhmet. Regardez. Son arme brille. Allez, vas-y, on va tester. Hus. Le guerrier de... C'est bon, on l'a eu. Bon, bah voilà. Bon, en deux fois, certes, mais... dommage. Non, mais j'aurais pu le faire en une fois, en soi, si j'avais pas déconné. Mais malheureusement, j'ai déconné, comme d'habitude. J'ai cru que tu étais la buveuse. Mais en vrai, il avait une putain de vie, hein. Ah, c'était abusé, hein. Je ne connaissais pas le récit qu'a fait le prêtre du combat entre la déesse et Isfet. Il l'a inventé de toutes pièces. Tu n'entendras cela qu'à Imo. J'aimerais que tu restes quelque temps parmi nous. Mais je sais que d'autres devoirs t'appellent. Enfin. Je vais dire au revoir aux enfants. Enfin, il comprend qu'il doit me laisser tranquille avec ses missions de merde. Tu vas leur manquer. Putain. Tu seras toujours le bienvenu à Imo si tes pas te conduisent dans notre belle région. Mm-hmm. Allez, donne-moi l'XP. C'est ce que j'ai fait pour toi, là. 800. Je vais même pas passer niveau 12, quoi. Oh, costume de Sekhmet. La fête. On a obtenu un trophée. Cool. Ça, c'est bon, ça. Alors, laisse-moi voir les tenues, tiens. Alors, ce que ça donne.
Ah, mais je suis moche comme ça. Il y a moyen que je mette sans le casque? Parce qu'il y a que plus, voilà. Voilà, là, je suis beau. Ah oui, là. Ah oui, là. Ah, là, là. Alors là, je dis pas. Là, franchement. Alors, j'avais peur qu'il y ait que le casque. Mais honnêtement, les gars. Ah non, là, je suis beau. Ah, là, je suis magnifique. Là, tu peux même pas tester. Oh là. C'est être des paysans. J'en ai rien à foutre, c'est moche. Hache en bronze, celle-là, si j'ai démantelé, je m'en fous. Oh là là, je suis trop beau, putain. Oh, je suis trop beau. Bref, je viens de me complimenter. Qu'est-ce qu'on fait dans cet épisode, Mathia? Bonne question. Alors, j'hésite à partir là. Ou à partir là pour faire ça. Bon, allez, pour Emily. Pour Emily. On va partir là. Allez, on va faire le point ici. Je suis gentil, hein, encore une fois. T'es généreux. Prends ça en considération. Exactement. Très très généreux. Très 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 généreux. Il me faut un bateau du coup. Est-ce qu'on va en trouver un? Là-bas. Ou pas. Je sais même pas s'il y a des bateaux. Il n'y a pas de bateau. Pas de bateau, c'est un peu un inconvénient. Peut-être parce que c'est la nuit. Ben alors. Alors on a des bateaux tout le temps. C'est quoi ces conneries? Oh. Ben si c'est comme ça, je vais à la nage, voilà. Je m'en fous des crocodiles. Alors je vais raqueter un truc à quelqu'un. Là, regarde-le. Toi là, viens là. Ouais, bah ta mitraillette, hop là, regarde. Tac, et tu dégages. Allez, ça dégage. Allez, ça dégage. Wouhou, c'est parti sur l'île. Oh, il y a du sang là. Oh! Ah, j'ai réussi, putain. Ah, c'était une. C'est un oiseau qui s'est fait péter. Putain, mais ici, il gère même ça. Franchement, c'est génial. Bon, allez, je te la rends, tiens. T'as même s'il gère les oiseaux qui se posent sur le lac et qui se font bouffer. Franchement, c'est. Qui m'a vu? Ah non, c'est le crocodile, d'accord. Pff, que j'en ai à foutre. Alors. Il a un trésor. Non, c'était pas là. C'était pas là le truc. Si. Ah, il y a une quête à. Là. Ok. Allez. Voilà. Nickel. Elle a une belle vue. Et en plus, 100 points d'XP, ce qui me fait niveau 12. Ouais. T'as l'air endormi. Tu regardes. Carte du monde mise à jour, partiellement de signe accrue. Et 100 points d'XP. Et du coup, niveau 12. Niveau 12. Wouhou. Bon. T'as fait point d'aptitude. Yep. Ah, c'était ça, ce symbole. D'accord, je me demandais à quoi ça servait. D'accord. Le symbole juste en dessous du 12. C'est le point d'aptitude, ok. Bon, alors ça c'est fait, ça une c'est scène quoi de mort. Je dois en savoir le plus. Goût de sa piqûre. Niveau suggéré 17. Ouh. Ah, on la fera plus tard celle-là, hein. Je crois. Piller le trésor, d'accord. On la fera plus tard celle-là parce que visiblement je suis pas assez fort. Donc on la mettra plus tard. Alors, point d'aptitude. Ok, donc j'ai pour but de monter ces trois-là pour avoir ensuite le guerrier. Mais c'est quoi on va faire? On va distribuer équitablement. On va faire un ici et un ici. Parce que les deux je les voulais. Donc voilà, moi ça me fait deux trucs gagnés.
Et on est bon. Y a-t-il eu une cérémonie impie? Ce sang fait penser à un terrible massacre. Mais les éléments ont effacé la plupart des traces. Oui, mais j'ai dit qu'on la ferait plus tard, en fait, Bayek. Donc, si tu pouvais éviter de me contredire, en fait, quand je te dis quelque chose, ce serait sympa. C'est quoi, ça? C'est le croco pour le trésor. Hein? C'est le croco pour le trésor. Non. Il attaque là-bas. Ouais, c'est ça, c'est l'attaque de prédateur. Okay. Bon, je m'en fous, hein, clairement. C'est pas ma barque. Ils se démerdent. Alors, on va faire la vision des glissés. Y'a rien? Y'a forcément quelque chose. Ça veut dire qu'il y a rien. Bon, voilà. Ah, là! Ça, faut les voir. Faut les voir. Alors, c'est là. Ah! Bon, j'ai pris un raccourci, je pense, que ça devait pas être là. Ok, tac. Donc, j'ai trouvé un trésor. C'est ça, un trésor. Il m'en faut d'autres, un deuxième. Je sais même pas si c'était un raccourci ou s'il fallait passer par là, en fait. Non, je crois qu'il fallait passer par là. T'es sûr? Bah ouais, y a pas de trop. Ouais, je sais pas. Ah, il y a tout ça, bah pour le... On va se régaler, j'avais pas vu. Il est là le trésor, c'est bon. Et voilà, trésor. On l'a eu, objectif des lieux faits. Et on va avoir de l'XP. Qu'est-ce qu'il y avait de m'aider? Un cistre. Oh, ça, c'est bon ça. D'accord, il y a encore là des trucs, oui, il y a encore des trucs. Comment ça? Il y avait un petit coffre. Lui? Non, là. Lui? Qu'est-ce que tu... Ah oui, là. Il y a tout un autre truc. Ouais, ouais, j'ai vu ça. Hop. Oh putain! Fils de pute! Oh putain, je vous ai pas vu! Fais pas chier. Bah, fais pas chier ou je vais te faire une guerre comme t'en as jamais vu. Ah, mais je vous ai pas vu, les cons. Ah, mais je vais les tuer. La courbe de munitions, bah c'est très bien. Voilà, toi tu crèves déjà. Voilà, et tu crèves. Nickel! Ah, je récupère toutes les flèches que j'ai tirées, ça c'est bien ça. Le... Ah, j'aurais dû me douter, il y avait un cadavre. Bon, pas grave, tant pis. Je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai une fabrication possible. On va la faire. Et. Oh, je peux l'améliorer encore, lui. Ah, bah oui, alors là, clairement. Alors là, clairement, je l'améliore encore une fois. Ça, c'est cool. Ensuite, l'arc. Est-ce que je peux en démanteler? Charge du bouton. Oh! Et hop, ça dégage. 303, nickel. Ah, lui, il fait mal, lui. Wet cèdre, ok. Et lui, gourdin bronze. Ah, yes. Il fait plus mal. Hop, voilà. Donc là, j'ai 132. Nickel! Bon! Maintenant qu'on est bon et qu'on a encore augmenté son arbre, est-ce qu'on a tout fait là? On a tout fait là. On a fait ça, c'est quoi, pillé. Là c'est une à photo. Droite. On s'en fout là. Ouais. C'est un truc d'hippopotame. Ah. On va aller le faire de toute façon. Je vous le dis tout de suite. Aujourd'hui on va faire de l'eau un peu. On va aller là, ici. Le temps qui nous reste, hein, bien sûr. Tac. On m'a vu. Qui m'a vu? Bon bref, on s'en fout de toute façon. J'ai pas l'impression qu'il me... Je sais pas qui me détecte, hein, mais... Oula, je vais me péter les jambes. Ok. Il y a quelque chose là? Il y a rien.
On peut utiliser le bateau parce qu'il a coulé. Allez, on va chez les hippopotames, après les crocos. Youhou! Hein? Ah putain, j'ai cru que c'était une main. Ah sa mère! J'ai vraiment cru que c'était une main. Ah, c'était horrible. Ça m'a fait flipper. Bon, alors les hippos, ils sont un peu plus chiants. Comme on l'a vu dans le dernier épisode. Donc on va y aller plus stratégique et un peu moins bourrin. Ça te convient. C'est nous. Allez, ouais, m'aider. Bah je sais pas, moi je me suis... Le roi, il est par là-bas. Il est là. Putain, niveau 14 quand même, il va faire mal. Dommage que tu puisses pas encore utiliser le pour attaquer. Ouais. Putain, mec, ils me font ça. Niveau 14, quoi, je suis niveau 12. Oh, ça va être tendax, les mecs, hein. Moi, je vous le dis direct. C'est comment c'est par la tête devant, avec les pêches. Bah, c'est ce que je veux faire, mais genre, y aller doucement, tu vois. Faut pas que je le réveille en même temps. Ah, j'ai plus de flèches, sa mère. Bon. Espérons qu'il y en a un peu là. Non, il n'y a rien, il n'y a que de l'argent. Bon. Ça va être génial. Bon, bah, on va tester mes nouvelles armes. Il n'y a rien du tout. Y a rien. Oh là là, y a rien. Merde. Bon, de toute façon, il faut t'attaquer les mains. Ouais, mais attends, parce que j'ai envie de tester quelque chose. Vas-y, rendors-toi, gros, rendors-toi. J'ai envie de tester quelque chose. J'ai envie d'essayer quelque chose. Allez, tout doucement, tout doucement. Tout doucement, Payek. Eh putain, merde. Putain, t'as raison. Putain, il m'a enlevé. Ah putain. Putain, il m'enlève ma cette vie. Oh là, il fait mal, il fait mal, il fait mal. On se casse, on se casse, on se casse, on se casse. Oh putain. On se casse, il fait mal. Putain. Bon, échec complet. Échec complet. Bon. Tu feras plus tard, hein? Ouais, je pense que je vais monter de niveau. Ouais, clairement, ouais. Et en même temps, j'ai plus de flèches. Oh, j'ai des flèches. Ils m'ont mis des flèches. Bon, alors, on se la refait. Ah, il est plus loin. On se la refait, complètement. Ah putain, j'ai plus de munitions déjà. Autour. Essayons L, tiens. Il y a un petit bug là, non? Il y a pas un petit bug. Pas un petit bug. Ouais, je sais pas. Il y a un petit bug là. Dis, battez-vous, battez-vous, battez-vous. Alors, je crois qu'ils vont se battre entre eux. Ouais, bon, vous savez quoi? On va le faire dans le pro. Une autre fois, parce que j'ai pas le niveau, ça sert clairement à rien de lutter. Les mecs qui sont une foutre là. Ah! Et le bateau qui télé est parti. Enfoiré. Je peux même pas y aller à la nage parce qu'il part. Mais quel enfoiré! Putain, il est en train de tout me niquer. J'y crois pas. Bon, on va aller assassiner pas sûrement. Ça n'est pas. Faut juste que je trouve un bateau en fait. Là-bas, il y en a un. Tu devrais peut-être faire un sous-marin, non? Ah bah y'en a, y'en a, y'en a. Non. En vrai... Y'a pas d'épave, donc ça m'étonnerait qu'il... Mais c'est super bien fait, pardon. Waouh, 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 waouh. Reste là, reste là, reste là, reste là. Putain, je te voulais, toi. C'est toi que je voulais. Je suis venu pour toi. Allez, casse-toi.
Tu m'as saoulé. Allez, c'est parti. On va augmenter un peu d'XP comme ça pour aller taper la dernière source. Je t'oublie pas, toi, hein, t'inquiète pas. T'es là, je te vois. Pas de soucis. Bon, échec complet avec les hippopotames. J'ai dit que c'était plus violent quand même. C'était un peu plus vénère que les crocos. Peut-être, comme tu disais. Non, là. Un truc là? Ah oui, il y a un truc. Par rapport à. Putain. Mais ouais, il y a beaucoup de sang. Mais pas qu'à la surface de l'eau. Où est-ce qu'ils sont? Là-bas. Ah oui. Ah ok, graphite, cool, ça vaut super cher ça. Ça c'est bien ça. Il est le deuxième, il est là. Hop, il y a un bouclier, génial. Ah, le bouclier ça va me faire du bien. 300 d'XP. Ah oui, ça c'est bon ça. Il en reste encore, non? Je crois pas. Non. Hop, j'ai tout fait. Ok, donc ça c'est bon pour les affaires. 300 d'XP, c'est bon. Pareil, le bouclier, je vais le... Putain, ça me stresse, je vois tout le faisceau de la tour Eiffel, du coup, avec les nuages. C'est stressant. Enfin, c'est... Ah, 2 minutes, elle brille. Mais écoute, tant mieux pour toi. Je t'avoue que... 245... 324. Oh là là, oui, ah oui, ah oui, là. Ah, oui, clairement, oui. 737 de santé. J'ai augmenté ma santé, c'est bien. C'est dommage que la tenue ne donne pas de l'XP, enfin de la santé. Désolé, je dois te l'emprunter. Ah, c'est bon, je t'ai emprunté tout à l'heure, tu me rends. Là, on va aller là. Et on prend l'exploration en plus. Donc, c'est nickel. Allez, go, c'est parti. Donc le bouclier, vous l'avez vu, était 20 fois meilleur que le mien. Donc ça nous donne de la santé en plus. On est passé de 600 et quelques à 737. Donc 100 de plus de santé, c'est pas négligeable non plus à mon niveau. Yes. J'essaie de voir si elle brille. Ouais, ouais, t'as vu, avec les nuages, ça fait flipper. Ah. Je suis où, moi, dans l'épisode 28? Bah ouais, on va faire... C'est la dernière île qu'on fait, et après on s'arrête là, les amis. Parce que... J'étais en train de dire, Amy, que ça faisait même pas... J'avais jamais réussi à faire un épisode de 30 minutes depuis que j'ai... Ça rend trop bien. Alors, il y a un trésor. Là, il y a un point d'exploration. Alors, on va le faire. Ah, non, non, par contre, tout est calmé. Merci. Hop, on synchronise. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de vie, ça passe comme ça, mais il n'y a pas. Wow, ça c'est beau, ça. Elle a fond dedans. Eh, mais moi, tu sais que je la vois tous les jours, toutes les heures de la soirée. Du coup, t'es un petit peu, ouais, je t'avoue que à la fin, ça me fait pas. Au début, t'es là, genre waouh, j'ai la tour Eiffel en face de moi. Tu vois. Je déconne, j'ai pas la tour Eiffel exactement en face de moi. Genre, je la vois au loin, c'est tout. Allez pas vous faire des idées. Mais ouais, non, du coup, à la fin, c'est genre. Voilà, un truc là. Ça me l'a dit, ça. Oh putain! Oh tout le monde, donc je viens de taper avec des crocos. C'était beau, c'était marrant. Qui me font des embuscades. Les crocodiles, ils ont des couilles quand même. Hein. Ils ont des couilles. Ouais. Des couilles. Et pourquoi je trouve pas le trésor? Bonne question. Pourquoi je trouve pas le trésor, Amélie? Utilise ton aigle. Non, mais ça trouve pas le trésor, mon aigle. Bah non, mais il y avait quelque chose. Ah, 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 ah,
Putain, mais faut vraiment les voir, quoi. Heureusement que j'ai vraiment une vision de Dagon, ouais. Putain. Eh ouais. Plus. Ah bah là, c'était juste du fric. C'était juste du fric. Je prends quand même, hein, mais... Qu'est-ce que t'as? Il y a le truc, c'est un propos. Où est-ce qu'il peut être? Tu cherches quoi? Il y a le trésor? Il y a un trésor à piller. Parce que j'ai déjà fait, genre, quand même le tour de l'île en fait. Donc, on va appeler, c'est nous. Où est-ce qu'il peut être? Ah non, mais dis pas qu'il est juste là quand même. Mais dis pas qu'il est là-bas et que je ne l'ai pas vu avec ma vision d'œil. En tout cas, il fait des très bons plongeons. Il aurait pu faire les Jeux Olympiques de plongeon. Oh putain, j'arrive. Boom. Y'a quoi, mon gars? Cœur rigide. Cœur de pamplemousse. Hop. Mais ça m'aide toujours pas sur le fait de où est le... C'était parti. Il est plus loin là-bas. C'est quoi? Là. Là, je suis dessus, là. Ouais, est-ce qu'il peut bien... Ah ah! Ah, ce petit bruit là! Boum! Ah, il est là, putain, ah, là, t'es sûr. Oh là là, regardez-moi ces enfoirés quand même. Il les cache bien, hein. Il les cache bien. 150. Les morts ne parlent pas. Pas mal, on continue de monter, c'est bien. Alors, bouclier, 324, et lui il est à 303. Non, on s'en fout. Hop là. Là, il me faudrait du bois encore. Et là, il me faudrait du cuir. Bon, ça, je le ferai en off tranquillement. Genre. Ok, donc cette idée est terminée. Et moi, je vous laisse là, les amis. Voilà. Donc, en off, je continuerai un peu tout ce qui est. Non, je sais pas. Non. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Dans le prochain épisode, ouais, je pense qu'on fera. On va s'améliorer. On va faire quelques trucs, et puis en off, on fera tout le reste, on explorera la région entière, comme ça on sera bien, et on pourra passer à l'autre région. Ah mais elle, en fait, je la connais pas, Sapir, nomme, entre niveau 15 et niveau 18. Ah mais c'est pour ça, en fait. En fait, cette région-là, normalement, elle fait pas partie du truc. C'est pour ça qu'il est 14, en fait. Ça, je suis pas censé y aller pour l'instant. Ah oui, ça vient de te débloquer. En fait, ça me l'a débloqué, je pense, quand j'ai été ici, tu vois. Ou genre ici. Oui. Ouais. Moi, je le ferai quand même, on verra. J'explorerai la zone en off, et puis voilà, on se croise. Voilà, donc merci à tous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager-la, abonnez-vous à la chaîne. Et puis on se retrouve dans le prochain épisode de Assassin's Creed Origin. Voilà. Gros bisous. Attends, j'ai des bisous. Au revoir. C'est le seul où je dis au revoir. Salut Doudou, tu peux te dire. Bah oui, parce que là, on n'aura pas le temps de terminer la session. Donc, Bah oui, mais eux, ils n'auront pas tous les épisodes en même temps. Et ouais. Bah ça veut dire qu'il y a un épisode où je vais dire au revoir et pas d'autre. Et. Bah c'est bizarre. Et. Du coup, je pensais pas que tu me dirais dire au revoir. C'est pas grave. Si, c'est grave pour toi. Je m'appelle ce dépourvu. Oh, je t'ai pris au dépourvu. Oh. Pauvre chouchou. Bref, je vous fais un gros bisous. Ciao, ciao.